Oui? J'ai appelé M. Bradley chez lui. À son cercle, il n'y est pas. Oh, essayez encore. Où est-ce que nous allons? Faire des courses. Ah, ça, c'est une idée. Tu sais que j'aime ça. J'adore voir dépenser de l'argent. Alors, tu vas sûrement être folle de joie. Ce que j'espère acheter coûte une fortune. Oh, c'est merveilleux. Allô? Je suis désolée, monsieur, mais on a décroché le téléphone de la voiture. Oh. Un vase? Tu es venu pour acheter un vase? Ce n'est pas un vase commun, c'est un Ming. Un Ming comme les avions? Non, 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 un Ming, c'est un vase chinois. Il y a une limite de 12 000 livres sur ce lot? Je crois que c'est un peu haut. Les enchères commenceront à 8. Monsieur Bradley, non, on pourrait s'entendre. Pas question, Hazen. Nous avons dit 100 000, 100 000 livres sterling. 120, 140, 160, 165. Quelqu'un offre 175. Merci. 175. Allons, messieurs, qui dit mieux? 175. Attention, le lot va être adjugé à 175 000 livres. Une fois. Deux fois, trois. Tu vas payer ça pour un pot? C'est exact. Merci, Monsieur Bradley. Je l'enverrai chez vous demain matin. D'accord. Monsieur Bradley, j'aimerais faire honorable proposition. Je paie le quart de votre Ming, oui. Désolé, rejeter honorable proposition. Vous payez le quart de mon Ming? Non. Je t'avais dit que ce n'était pas un vase commun. Vente aux enchères, avec Catherine Schell et Garrick Hagon. Scénario, Gérald Kelsey. Réalisation, Val Guest. Jean, j'ai passé ma journée à vous téléphoner. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, mais c'est facile. Attendez, vous voulez que je vous donne une idée générale ou plutôt mon emploi du temps minuté? Vous voulez un peu de café? Non, non, je vous remercie. Où est Linsky? Linsky... Linsky... Ah oui, c'est bien ce savant à qui vous avez accordé l'asile politique. Oui, oui, exactement. Nous avons eu un mal fou pour lui faire passer la frontière de son pays. Et vous l'avez perdu? Oh, je vous en prie, ne jouez pas les naïfs avec moi. Vous savez qu'il apporte des renseignements intéressants. J'ignore complètement où il est passé. Ah, ben, je sais bien, c'est ça qui m'ennuie. Quel rapport est-ce que j'ai avec votre homme? Nous avons découvert votre nom et votre adresse marqués sur son agenda de téléphone. Ah oui? Eh bien, voyons, s'il entre en contact avec moi, je vous le dirai. Alors, vous ne voulez toujours pas de café? Votre musée devra payer 175 000 livres pour le garder en Angleterre. Un faux? Seuls les plus grands experts pouvaient le voir. Alors, je vous renvoie votre chèque, bien sûr, Monsieur Bradley. Mais il n'en est pas question. Puisque je l'ai payé, je tiens à le recevoir comme convenu. Vous me demandez de filer Jean Bradley? C'est exact. Tout laisse croire qu'il pratique un double jeu. Mais pourquoi? Eh bien, entre nous... C'est justement ça que vous allez me dire. Ah, voilà. Il a reçu cette carte dans une grande enveloppe. Vous ouvrez son courrier maintenant. Oui, bien sûr. Et je crois que ce plan confirme nos soupçons. Linsky a acheté 3 copies de ce même plan la veille de sa disparition.
Qu'est-ce que c'est, ce numéro? Si ce plan doit indiquer l'endroit pour un rendez-vous, ce numéro fixe l'heure précise et la date. C'est pas très subtil. 3 fois 1, puis 5 et 6. Ben, si vous avez raison, ça serait peut-être un rendez-vous à 11h15 le 6. Mm-hmm. Vous voulez l'envoyer à Jean? Non, pas celui-ci. Hein. Donnez-le au laboratoire en priorité. Et pour le numéro? Changez-le. On pourrait simplement remplacer le 6 par 5. Et nous verrons bien la réaction de Jean quand il va recevoir ce plan. Oui? C'est Brooks, monsieur. Oh, entrez, Brooks. Cette caisse arrive juste de chez Ascot, monsieur. Très bien, posez-la par terre, s'il vous plaît. Oui, voilà. J'ai apporté un tournevis, vous voulez que je l'ouvre? Non, c'est inutile, merci. Le labo n'a rien trouvé. Ni encre secrète, ni piqûre d'épingle, ni aucun signe. Alors pourquoi est-ce qu'il fait tout ce mystère? Votre téléphone a des ennuis. Nous avons eu plusieurs appels qui l'ont signalé, monsieur. Je ne vous ai pourtant pas prévenu. Nous l'avons peut-être appris par quelqu'un qui essaie de vous joindre. Ah bien, entrez. Tenez, c'est là. Bien. Pas invité pour tuer le temps, Diana. J'entends d'ici par Minter donner ses ordres. Allez voir Jean, faites-le boire pour qu'il parle de Linsky. Que savez-vous sur lui? Eh bien, je sais que c'est un brillant chercheur et qu'il a mis au point une nouvelle formule chimique. Quoi d'autre? À vous de parler. Bien, je sais que vous avez pris contact avec lui. Ah? Et je sais surtout qu'il est beaucoup trop important pour que les autorités vous laissent, vous ou n'importe qui, intervenir dans leur plan. C'est un avertissement de Parminter, sans doute. Non. Il vient tout simplement de moi. Nous avons fait des enquêtes tous les deux, mais je ne tiens pas à travailler contre vous. Mais alors, quittez votre travail, je pourrais vous trouver une excellente place dans mes compagnies, mieux payée. Non? Je viens pour le téléphone.
mais c'est fait, on vient de passer. Oui, je sais, c'est un nouveau et je viens vérifier son travail et voir s'il n'a pas fait de bêtises. Ah, eh bien, je vous en prie. Merci. Il vous a dit quelque chose? Non, rien. Jean Bradley est trop malin, il ne dit que ce qu'il a envie de dire. Mm-hmm. Alors, et de votre côté? Je me suis occupé de son téléphone, après avoir pris le petit souvenir de quelqu'un d'autre. Un micro-espion. Mm-hmm. Alors, eux aussi croient qu'il doit rencontrer Linsky. Où sont les débris du vase? Je les ai jetés, monsieur. Vous les avez jetés? J'espère que je n'ai rien fait de mal. Non, 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 c'est très bien. Ce sera tout. Albert Hall. Alors, vous avez compris. Jean a probablement rendez-vous tout à l'heure. En plein centre de Londres. Mm-hmm. Écoutez, vous allez vous rendre immédiatement sur place. C'est une chance que nous n'avons pas le droit de manquer. Encore deux parties vitales manquantes. Elles sont sûrement ici. Oui, je m'en occupe. Allô de la police. Je tiens à vous signaler un vol de voiture. Du type Vauxhall. J'ai relevé le numéro MXD341K. Elle traverse actuellement les allées de Hyde Park. Mais de rien.
quoi? Il a été semé. Oh, non! Jean l'a repéré et a téléphoné à la police qu'il avait volé la voiture. Et alors, il s'est vite fait intercepter et Jean, lui, s'est envolé. Oui, c'est malheureusement ça. Oh, Dieu du ciel! Monsieur Bradley, là, monsieur. Oh, oui, merci. Ça va, merci, laissez-le. Oh, enfin. Oh, pendant que j'y pense, qu'est-ce qui est arrivé à votre fidèle Brandon? Il a reçu un message lui annonçant un décès soudain dans sa famille. Oh. Alors, vous n'êtes pas venu ici pour ça, je suppose. Oh, non, c'est exact. J'étais venu vous demander si vous étiez content d'avoir réussi à vous défaire de votre surveillance. J'avais déjà fait ça dans un vieux film. Ah, oui, dommage que ça n'ait servi à rien. Vous croyez? Oh, j'en suis persuadé. Et n'essayez pas de mentir. Vous connaissez l'endroit, mais je connais l'heure et la date. De quoi? Du rendez-vous avec Linsky. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, si, vous le savez très bien. Et j'ai une idée. On pourrait peut-être s'entendre pour régler ça. Vous nous révélez le pourquoi et le comment. Et alors, je vous dirai quel jour et à quelle heure il viendra vous attendre. Hein? Désolé. Entendu. Allez-y, ne nous écoutez pas, faites ce que vous voudrez, arrangez vos petites affaires, c'est vous que ça regarde. Mais je vais vous donner un conseil d'ami. Ah oui, lequel? Vous devriez vous méfier de ce Brooks. Vous avez sonné? Oui, il faut que je m'en aille. Je serai de retour à peu près dans une heure. Très bien, monsieur. Brooks? Je croyais que vous étiez sorti. Oui, je m'en vais, mais je resterai absent 2 heures. Je suis disposé à reconsidérer votre honorable proposition. Regrette mes honorables propositions être retirées. Vous n'êtes plus intéressé? Pourquoi donner argent en quantité quand j'ai appris secret? C'est ce que je désirais savoir. Alors au revoir et merci. J'ai fait vérifier tous ses déplacements. Et vous savez ce jour où on ne l'avait pas trouvé? Il avait assisté à une vente aux enchères. Et alors? Et il a acheté un faux vase Ming pour un nombre impressionnant de milliers de livres. Oh, vous avez sûrement mal compris. Il y a mieux que ça. Était en plus à la vente Hermann Eisen, un gros fabricant de produits chimiques de Munich, et Toji Taiyo, président d'une grosse usine de Tokyo. Pour s'approprier un faux vase Ming? Oh, attendez, le vase avait été mis en vente par Linsky, mais il vendait autre chose que le vase. Oui, il était en train de vendre sa formule. Et il avait réuni 3 grands représentants de plusieurs compagnies qui se sont battus pour l'acheter. Oui, soyez gentil de débarrasser, Brooks. Je reviens tout de suite. Bien, monsieur.
J'apporte les morceaux qui manquaient. Faites voir ça. Oui. Oui, oui, c'est ça. Il est complet. Vous avez fait du bon travail, je vous paierai bien. Il en aura besoin, il devra trouver une autre place. J'ai soupçonné Brooks quand il s'est présenté immédiatement après que mon brave Brandon ait bouclé ses valises. Tout est permis en amour, à la guerre et en affaires. Aussi, quand je vais parler à Linsky, je vais lui faire une grandiose proposition pour la formule. D'abord, il faudrait le rencontrer. Oh, c'est facile. Une fois connu l'emplacement, je n'aurai plus qu'à le persuader. Mais il ne sera pas là. Bah, il joue double jeu, alors. La date écrite sur le plan disait le 6. Sur votre plan, peut-être, oui. Sur celui de Tayo, c'est la veille, le 5. Linsky a pris une importante précaution pour le cas où son entrevue avec moi n'aboutirait pas. C'est un grand honneur de voir un homme comme vous, Toji Tayo, président de la grande compagnie de Tokyo. C'est vous qui avez emporté le vase. Est-ce que je serais là si ce n'était pas le cas? Venez, allons parler ailleurs. D'accord. Vous savez ce que vous devez faire. Taxi! Vous pouvez nous conduire à l'hôtel Victoria. Et très vite, s'il vous plaît. Ah, si ce sont là les méthodes que vous employez, Monsieur Bradley, je me demande si vraiment c'est mieux que l'endroit où je me trouvais. Ça, je n'en sais rien. Quand nous aurons réglé cette affaire et quand une fortune sera déposée à votre banque, vous serez libre de mener votre vie. Mais et alors, vous l'avez laissé disparaître? Écoutez, je crois que vous faites ce métier depuis trop longtemps. Linsky n'est pas anti-Est ou anti-Ouest, il est plutôt anti-bureaucrate. C'est un brillant chimiste qui en a assez de voir des officiels et n'importe quelle sorte d'officiel mener sa vie. Mais après tout, il est passé à l'Ouest. C'est vrai. Il voulait une chance de vivre en liberté. Et il ne veut pas échanger l'ingérence d'un gouvernement contre l'ingérence d'un autre. Alors ça veut dire qu'un être humain doit avoir le droit de décider de sa destinée. Oui, c'est à peu près ça. Mais et pour la formule? C'est l'Ouest qui l'utilisera. C'est-à-dire votre compagnie? Oui, ma compagnie. Vous savez ce qu'on dit par Minter. Tout est permis en amour et en affaires.